62, 61. Et voilà les amis. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est ouf. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent JV, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors on connaît tous ce fond d'écran Minecraft qui a été changé depuis la mise à jour du Nether, mais on le connaît tous, voilà, ce petit lac, cette vue qui tourne à 360 degrés. Eh bien, figurez-vous les amis, qu'il s'agit d'un vrai monde. Mais ce monde n'a jamais été partagé par Mojang, et les gens ont passé des années et des années à essayer de trouver quel était le seed, et surtout quel était l'endroit où a été pris ce fameux screen à 360 degrés avec ce petit ravin, son sable, sa forêt, etc. Et ça a été trouvé, les amis, ça a été trouvé il y a 3 jours. 3 jours seulement, bon, moi 4 le jour où vous regarderez cette vidéo. Et les amis, je vous propose qu'on découvre ensemble comment lancer ce monde. C'est en 1.7.3, juste avant en fait que ce fond d'écran apparaisse, puisque c'est en 1.8. Et sans plus attendre, c'est parti! Transition cochon! Ok les amis, on est en version 1.7.3, comme je l'ai dit, c'est la version qu'il vous faudra pour détecter, enfin pour trouver le fameux fond d'écran, les amis. Je suis impatient. Impatient de tester. Donc les amis, il y a ce seed. Oh non, ça marche pas ça. Il y a deux seeds qui fonctionnent. Il y a celui-là. Et également ce. Oh, faut que j'efface tout. Et également celui-là. Et j'ai les coordonnées précises de l'endroit où se trouve le fond d'écran de Minecraft, qui nous a tous bercé. On l'a vraiment tous connu, ce petit fond d'écran. Donc là, je vais remettre. Mais oh là là, on est sur les vieux trucs. On est sur les vieilles commandes de Minecraft. Tac, 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 jump. Attends, j'espère qu'il y a quand même un peu de. Est-ce que je peux sprinter ou pas? Ah, il n'y a pas encore le sprint. Ah ouais, il va falloir vraiment aller au bon endroit. Ok, donc j'ai les coordonnées, les amis. Les coordonnées, c'est 61, 75, moins 68. 61, 75, moins 128. Alors, 61, c'est par là. 61, voilà, par ici. 61, 75, moins 128. Oh là là, les amis, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de voir à quoi ressemble dans Minecraft. Vous imaginez les amis que sur ce monde là, bah il y a des développeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ces trucs là? Hein, quand tu fais F3, il y avait des... Ah, je me souvenais plus de ça, tiens. Alors, 61, on y était. 61, ok, on est là. Ensuite, c'était 75, YL 75, donc ça on ira plus tard. Et c'était moins 68. Alors, moins 68, c'est par ici. Je crois que c'est la vallée juste derrière, les amis. Oh là 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 là, c'est historique. C'est historique, les amis. Vous vous rendez compte, après 9 ans de recherche, les mecs, ils ont cherché pendant des années et des années et des années. Ils ont cherché le seed, le fameux seed qui allait pouvoir... qui avait été utilisé par les développeurs pour faire ce fameux fond d'écran connu de tous. Et regardez, les amis, on va arriver dans quelques instants. Moins 25, moins 31, 61, et je crois que c'est là. Oui, 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 c'est juste ici. Regardez ça, je vais en moins 68, là, voilà, on arrive, tac, oh là là, oh là là, ok, les amis, 66, 67, 68, 68, 65, 64, 63, 62, 61, et voilà les amis. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est ouf. C'est dingue. On reconnaît parfaitement le truc qui va de gauche à droite. Oh, ça fait tellement bizarre. Ah, ça fait tellement bizarre les amis. Regardez ça, ça va de gauche à droite. Oh là là, c'est exactement ça. C'est ça qu'on voit quand on lance Minecraft. Non mais c'est dingue. Regardez ça les amis, je vais essayer de mettre côte à côte Minecraft depuis la 1.8 bêta. Donc là on a 1.7.3, c'était la version juste après la 1.8 qui du coup allait faire... Oh là vite, en plus il y a la nuit qui tombe, il y a la nuit qui tombe. J'espère que ça arrête le jeu. Ouais, normalement ça arrête le jeu. Donc on va essayer de comparer les amis pour bien voir bah voilà que c'est exactement le même endroit. Je lance Minecraft en 1.16.1. Je sais pas si elle fond d'écran 1.16.1. Ah bah non, c'est vrai que maintenant ils ont mis le Nether, les petits foulichons là. Regardez ça, histoire que vous puissiez comparer, je mets les deux côte à côte. Voilà, donc là regardez ça, vous avez le menu Minecraft, voilà, vous avez le truc qui défile juste derrière, et on reconnaît parfaitement à gauche le sable ici. Là, c'est la vallée qui est juste derrière moi, là on a les arbres, juste ici, la forêt. On va refaire un tour hein, juste après que Minecraft ait fini de faire son petit tour, et ensuite, voilà, regardez ça, la forêt jusque là, là on va avoir, voilà, c'est ça, la vallée à droite qui se creuse. Puis une forêt au loin, et ensuite on va voir rapidement de l'eau commencer à apparaître. Voilà, juste ici, regardez ça, il y a de l'eau qui commence à apparaître.
Voilà, vous avez le fleuve ici qui descend, voilà, qui fait son petit trou, qui fait son petit chemin. Tac, tac, tac. Et là, on va arriver du coup sur le grand lac. Non, mais c'est dingue! Enfin, moi, je trouve ça ouf. Tu sais, en tant que youtubeur Minecraft, ce genre de découverte, ce genre de truc, tu pourrais croire qu'ils ont fait juste une simulation sur un ordi, qu'ils ont fait un truc comme ça. Mais non, pas du tout. C'est un vrai monde qui existe et le mec a vraiment pris un screen en 360 degrés pour l'utiliser en le fond d'écran. Et regardez ça, ça y est, on arrive dans le lac. Voilà. Voilà, la petite rivière, tac. On commence à voir le rivage. On va commencer à voir apparaître les petites îles. Les petites îles. Regardez ça dans quelques instants. Regardez ça, il y a la première île juste ici. La deuxième petite île juste là. Avec l'arbre, bien évidemment. Juste là sur la plus petite île. Tac. Et ensuite, on arrive au fond. Voilà. Et là, on va arriver petit à petit sur la vue sur laquelle je vous ai laissé pour lancer la version 1.12.2. 1.12.1, pardon. Voilà, avec la colline en face. Et enfin, on termine, voilà, sur le sable juste ici. Sur le sable et la petite crevasse ici avec la pierre et un petit peu de sable. Et la fin de la rivière juste là. Et maintenant, les amis, si je retourne dans Minecraft normal, regardez ça, les amis! C'est ouf! C'est ouf! Je trouve ça ouf, regardez ça. C'est exactement le chemin qu'on a fait. Tac, 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 tac. Il se retourne. Il y a la vallée. Les arbres ici, ça monte un petit peu, tac tac tac, et ensuite ça redescend, la rivière qui réapparaît. Oh, aïe aïe aïe, c'est fou, c'est fou. La rivière qui réapparaît, boum, les petites îles avec la petite île et l'arbre ici, le sable là-bas, la grande île, tout y est, la boucle est bouclée. C'est magnifique! Alors maintenant, je vais essayer de fermer ce Minecraft-là et de le lancer en version 1.12 pour voir un peu ce que ça fait. Tac, voilà, je suis passé sur la version 1.12.1. J'essaye de me connecter. Est-ce que le monde est corrompu ou ça marche que en 1.7.3? Logiquement, ça marche que en 1.7.3, sinon ils auraient pas dit de se mettre en cette version. Oh, si ça va, c'est correct. Ah oui, ça a été un peu modifié effectivement, mais on reconnaît quand même le lieu. Oh, c'est ouf. T'imagines sur tous les seeds. Je pense qu'il y a probablement un mec qui a déjà lancé une fois dans sa vie un seed, un des deux seeds qui fonctionne. Donc t'imagines, le mec, il est passé sans le savoir. Sans le savoir, à côté de l'endroit où il y avait le fond d'écran Minecraft. Transition cochon. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Voilà une petite science, enfin une petite connaissance Minecraft un peu secrète. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five!